Il doit y avoir une page volante dans les parages. Action ! Fantastique. J'imagine que ces premières tâches... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux préparons l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Je sors tout droit de Réveillon. La toilette où le Maximol m'a permis de faire tremper. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine. Je voulais pas. Je suis désolé. Action. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Je peux t'aider ? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, à Joute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant ! Que le feu d'artifice commence ! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Oh,
Les vieux sont. C'est tout ce que tu peux faire. Les vieux sont. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Bonjour, je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Revelio. Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Le papillon s'est arrêté. Je dois peut-être continuer de lui lancer Lumos. Lumos. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment ? Comment ?
J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit. Revelio. Tu le cherchais ? J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Nati, j'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les ruines anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Préolard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. T'aimes pas le froid, c'est ça ? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Ah ? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Regarde ! Dans la forêt interdite, des hippogriffes ! Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Tu crois que Poppy a déjà vu les hippogriffes ? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait.
Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolar, après cette ruine. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone. Comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça ? Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, t'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi, ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Monsieur Moon ! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onaï. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon ? Une demi... aiguise, immonde et poilue et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Réveillons. Oh, monsieur Moon, une demi-guise ? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois Balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Honeduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches à Préolard. Le professeur Weasley t'a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien, et à tout à l'heure. Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette. Oui, ce n'est pas trop tôt. Oui, j'ai... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivanders, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous ? Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm,
Ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu? Peut-être que... Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Les baguettes en cœur de dragon sont les plus puissantes et elles apprennent très vite. Étrange, très étrange. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Étrange, très étrange. Alors, qu'en dites-vous ? Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide.
Voici un esprit curieux. Excusez-moi, je suis là pour les créasors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Réveillon. Thank you.
Bienvenue chez Potion Pupin. Revelio. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolar. Vraiment? Eh bien, Parry Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de cinquième année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Nati.
J'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. J'essayais de le battre à son propre jeu. Ça me plaît. Continue. Il était temps. On doit continuer comme ça. Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin, est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Réparons. Oh, bonjour. Voilà. Je vais aller voir ce Singer aura une chose de moins. Réparons. Rebellion. Action.
Les vieux sont... Réparons. De toi. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter, Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préolard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux Trois Balais ? Ça me semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici, alors. Je vends bien d'autres objets.
si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique.